Plus important que l'année dernière. Puisque l'année dernière, nous étions à 187, cette année, nous sommes 203, c'est beaucoup, hein. Et 203 familles meldoises qui ont participé au concours des maisons et des balcons fleuris. Tous les participants, bien sûr, ont été invités à retirer leur diplôme ainsi qu'une composition fleurie, puisque ça, c'est le seul fait de participer qui donne droit à ce diplôme et à cette composition fleurie. Alors, le service des espaces verts a été invité le 6 octobre dernier à participer à la fête internationale de la Saint-Fiacre à Senlis. Saint-Fiacre étant un ancien évêque de Meaux et le patron des jardiniers. Donc ça, on a des évêques très illustres. On a bien réussi en évêque. En maire, parfois, en évêque, souvent. Et puis nous avons organisé un salon du jardin pour la première fois, les 2 et 3 juin dernier, sur la place Henri IV. Nel était à la manœuvre avec l'ensemble des équipes des espaces verts de Pascal Paris-Boué. Et ça a été évidemment un succès tellement important que nous avons décidé de renouveler l'opération l'année prochaine, le 1er et 2 juin, sur la place Henri IV, dont vous avez vu d'ailleurs que ça a été pour partie rénovée, en attendant le futur espace culturel, en particulier par ce grade des 4 fleurs, qui pour nous est absolument essentiel. J'espère qu'un jour on pourra passer le grade suivant, mais le 4 fleurs c'est le maximum. Le grade suivant, ça s'appelle la fleur d'or. Ça demande des investissements considérables. Et j'ai quelques idées de ce qu'on pourrait faire pour peut-être prétendre à cette fleur d'or. Mais enfin, ce n'est pas complètement finalisé, puis j'en ai pas encore parlé à la directrice des finances, donc je ne peux pas. Parce que ça coûte tout ça. Qui habite, qui est Jacques Prévert, Monique Tessier. Est-ce que Monique est là? Oui! Une paire de ciseaux oiseaux, une bougie extérieure, un sachet de plume, un billet pour deux pour le spectacle, pour le musée de la Grande Guerre, pour le théâtre de Luxembourg et la maison du bruit. Quatrième prix, qui habite rue Louis Breguet, Francine Nau. Décoratif, une belle pour jardiner, un sac cabas, un sachet de bulles et un billet pour deux pour le spectacle historique, le musée de la Grande Guerre, le théâtre de Chambou et la maison du Brie. Troisième prix, qui habite 21 rue de l'Étoile, mais j'ai vu se lever, hein. C'est encore là, Jean-Claude Lambert. Venez. Une jardinière, un coffret chauffe-parfum, une pelle de strato, un sac cabas, un sachet de bulbe, un billet pour le spectacle historique, musée de la Grande Guerre, théâtre de Chambou. Bravo. Deuxième prix. Ah, il y a un côté remise des César. Donc, qui habite avenue de la Paix du 18 juin, c'est une très belle avenue dont nous sommes si fiers, Christine Perrina. Est-ce qu'elle est là, Christine? Elle n'est pas là. On va lui porter ses lots. Donc, Christine Perrina qui a gagné l'Ambotus, un coffret fleurs parfumées, une paire à dos, un sac cabas, un sachet de bulbe, un bon acheté à mots, un billet pour deux pour le spectacle historique et nos musées. Je passe donc au premier prix balcon. Elle habite aussi au 21 rue de la Paix du 18 juin. Je veux dire que quand on habite sur l'avenue, ça. C'est Marilyn Mercier. Est-ce qu'elle est là? Ouais! Alors vous gagnez une lampe de plus géante, une
une sphère d'urance, une glacière, une théière, un sachet de but, un bon acheté à vous, un billet pour le spectacle historique, le musée et le théâtre. N'hésitez pas à les mobiliser, à les solliciter pour qu'ils participent et ainsi qu'ils accroissent la famille des concours de maisons et de balcons fleuris qui font aussi la beauté de notre ville. Voilà. Merci à vous. Je suis très fier d'avoir des administrés aussi engagés pour notre ville. Et je voulais vraiment, du fond du cœur, vous en remercier. Et donc, on va boire un verre de l'amitié. Merci.